Alors, pour le prochain combo, ce sera le numéro 10. Il vous faudra tous ces Magnus-là. Alors, le poulpe rôti, on vient de le réaliser dans le combo spécial précédent. L'alcool de riz tiède, on l'a réalisé au tout début des combos spéciaux. Donc, si vous ne savez pas comment l'obtenir, vous allez voir au début de cette série de vidéos. Le flash lumineux 2, ça vous avez forcément. Et ici, la femme silencieuse. Alors, le tableau de la femme silencieuse, il faudra examiner un élément du décor dans le manoir du duc de Calbren. Donc, si vous n'avez pas cet objet, ou si vous l'avez jeté, si vous l'avez jeté, c'est mort. Vous ne pourrez pas le redropper à ma connaissance. Mais sinon, il faudra examiner dans le manoir du duc de Calbren. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'objets de cette zone si jamais vous voulez savoir où il se trouve. Sinon, vous farfouillez dans la zone, vous finirez peut-être par le trouver aléatoirement. Il vous faudra ces 4 Magnus quand même. Donc là, ça nécessite un petit peu de préparation. On va utiliser tout ça en plein combat pour voir ce que ça nous donne. Donc c'est parti. Normalement, ça va être au tour de Kshela. On va essayer d'utiliser ça dans le bon ordre. Donc tout d'abord, on utilise ceci. Ensuite, le poulpe rôti, ensuite la femme silencieuse et enfin le flash lumineux. Donc là, je les utilise dans le bon ordre étant donné que c'est un combo assez spécial, même s'ils le sont tous, hein, on est d'accord. Voilà, ça vous donne un bateau en papier. Enfin non, on va voir quel nom ça a, parce que ça ressemble à un bateau en papier, mais je pense que c'est autre chose. Donc voilà, il s'agit d'une maquette. Donc ça vous fait un Magnus en plus, un combo spécial en plus aussi d'ailleurs. Et cette maquette va nous servir à réaliser un autre combo spécial par la suite. Donc ça va être très utile. Donc vous allez tout de suite le ramasser et on va s'en servir dans des prochains combos spéciaux.